Le génie lové dans le gazouillement d'ailes de forêt se rencontre tout autant dans la loi qui parque les fumeurs aux odorantes aisselles dans la salle du « Qui veut manger gaulois ?» Jean Jaurès est tout con sur ses gros starting blocks. Fuse du côté des sous-lots malentendants. Alors, ce physicien rompu aux mises en cloque ajuste son complet, se lance et prend son temps. Grâce à de petits signes de la main, la magie opère, immuable et droguée chaque jour. En joue-t-il le gredin de l'aérophagie des diables en échec ? Non, puisqu'il harpe à l'amour. Le mal de couille le prend comme la fièvre les harpies syndiquées ruminant le pavé. Il y court entravé par l'instinct du vieux lièvre. Parfois servi par lui, jamais désespéré. C'est la procréation assistée par béquille, dont le prix catalogue avoisine le Airbus. Ah, 300. Ce que vous voudrez tant qu'il maquille assez mon estafette et mes nerfs de zébu. Au moment où je dis, je crache sur vos roues. Tac tac, ouvrez le feu. Tac tac, ouvrez le feu. Feu sur son beau taco. Affoler la bagnole comme un curé en joue. On va y aller les gars, on va y aller franco. Laissant là ce polar occuper ma cuisine, je partis acheter des bières à l'acier, dont le degré quasi imbattable voisine le pourcentage des solutions de sorciers. Il ne me restait plus que 5 ou 6 minutes. Vite, courir, équérir du nectar à tout prix, de sorte qu'en mettant les bouts, quelques volutes me jettent loin dans mes boulevards favoris. Dès que je fus armé par l'épicier arabe, au galop la magie m'envoya un baiser qui me fit prononcer un long monosyllabe au naseau moins vilain que le mot des niaisés. Aussi, cette formule n'était pas la moins juste pour dire mes yeux ronds, pour dire mon défaut, de m'être fait Jean-Jean, obtus yeux dans les bustes, de femme se livrant au plaisir de sa faux. Dans l'ombre de l'église néo-apostolique, je dénombrais l'iris de leurs yeux enflammés et secondais de loin leur étreinte publique. Voyeur, oui. Et alors, pouvez-vous me blâmer? Il répondait toujours comme ça, le pédophile. Ton poème est confus, ton poème est confus, répétait le mec des RG au sergent Gilles quand il roulait mollet des couverts étouffus. Quant au sergent, c'était plutôt de sa campagne qu'il parlait. En mission Vélib, que se passe-t-il? Au-delà de l'état qu'est pompette au champagne, Madame M.N. Arré, les vies de Gilles Leville. Échoué au petit rat de Bastille, l'arbitre filtre l'entrée chaque fois qu'un rat, las d'avoir merdé ses entrechats au wax, cogne à la vitre
et demande à s'asseoir auprès de l'abreuvoir. Un gars me dit... Putain. Non mais tu te rends compte? Il Chirac buvait du bon pinard, ce pourri. Moi, je me figure Copé, l'infâme ponte, crevant l'air dégagé, faux jusqu'au pilori.